Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Samedi, vous le savez, généralement, samedi, c'est décontracté. On essaie de discuter sur les questions d'actualité. Là, déjà, je pense à mon sponsor. C'est bien évidemment les deux messieurs Edni, donc Eddy et Nikki. La compagnie, la société Edni. Faites confiance à cette société. Faites confiance pour Nambola Tabilamba. Il y a bien évidemment. Les gens vont se poser la question, est-ce que Vestuza a été Vestuza et Ednite? C'est ça qui est Ednite, qui est top pour le chaos. Ils ont Vestuza et Ednite. Alors, donc là, déjà, nous allons parler de l'actualité, mais vous savez, mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont régulièrement. Il y a des gens qui sont régulièrement. On a relayé les informations telles qu'on avait suivies. Tout ça, je reçois quelqu'un avec qui on va discuter sur l'affaire Bukangalonzo. Mais ne vous en faites pas, je ne veux pas. Comme ça va, les monions sont ils ont concerné, en gros, parce qu'ils ne pas les concerner. Je sais qu'un jour, j'aurai M. Matata Mponyo sur place et avec qui on discutera sur sa responsabilité dans Makambo et Tali Bukangalonzo. Mais pour l'instant, je parle avec quelqu'un sur comment ça s'est passé Bukangalonzo, comment ça s'est organisé la question. Mais ne vous en faites pas, la grande question reste, M. Matata Mponyo répondra un jour parce qu'il aime bien parler dans le média étranger et je crois qu'il va faire honneur à un média congolais, pourquoi pas. Parlera pour répondre à nos questions. Monsieur Barnabé Mulinganyo, bonjour. Bonjour, Christian. Comment allez-vous? Très bien. Ça marche? Très bien, oui, très bien. On parle de la question, vous le voulez en lingala ou en français? Ça dépend, moi je n'ai pas de problème. Pas de problème. De préférence. La grande question, c'est la question de Bukangalonzo. Cette affaire de Bukangalonzo fait beaucoup parler, en fait. Et tout le monde en parle aujourd'hui. Et c'est la grande question. Nous sommes surpris que l'ancien Premier ministre fasse une lettre et demande qu'on puisse venir l'enquêter. Il peut être le seul dans l'histoire qui demande qu'on vienne l'enquêter. Or, en droit, chez nous, quand c'est quelqu'un qui demande qu'on puisse l'enquêter, ah ben donc, tout est suspect. Tout porte à croire qu'on a soit tout arrangé pour qu'on ne trouve rien chez nous, ou alors c'est une diversion, tout simplement qu'on se crée. Qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre? La peur? Merci beaucoup, Christian. Ça va faire une année que toi et moi, on n'a pas échangé. Je vais aborder la question de Bukangalonzo comme analyste. Donc, je vais mettre pratiquement trois instruments d'analyse devant moi. L'analyse soft, avantages, désavantages, opportunités, difficultés. L'analyse arithmétique, positif, plus, moins, multiplication, division. Analyse PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et logistique. Et nous allons prendre d'autres aspects. Donc ici, nous discutons comme Congolais, comme quelqu'un qui est intéressé aux questions du développement de la République démocratique du Congo. Comme juriste, lorsque quelqu'un saisit la justice où il y a la peur ou la diversion, ça peut arriver aussi lorsque tu estimes que tu es vilipendé, calomnié pour une matière qui ne te concerne pas. C'est curieux lorsque je regarde que tout le monde s'acharne sur Matata. Or, s'acharne.
Oui, je précise, tout le monde s'acharne sur lui. En réalité, ce n'est pas lui le visionnaire. Ce n'est pas lui le visionnaire. J'ai toute la documentation sur le discours prononcé par Matata. Il y a un mot qui revenait surtout sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange. Donc ça, on aime bien le dire, hein. Même dans les 100 jours, on a dit aussi la même chose sur le leadership, sur l'impulsion, tout ça. Ouais. Alors, Bukangalonzo, c'est d'abord Joseph Kabila Kabange. Ça doit être clairement défini. Oui, le visionnaire, bien sûr, pas l'exécutant. Visionnaire, pourquoi? Parce que la question que fait face aujourd'hui le président Tshisekedi a commencé sous Kabila. La question du social. Toliaté, social, social, le social, le social. Et je me souviens un jour, le président Kabila a dit: est-ce que le social pour les Congolais, ça veut dire que je place maman Olive à la gare centrale, moi je suis à Batété là, on distribue les dollars aux gens? Non. Est-ce que le social, c'est maman Denise à Victoire Tshisekedi à Matete? Non. La même demande se transforme aujourd'hui par le peuple d'abord. Lorsqu'il dit: ah, président, le peuple d'abord, le peuple d'abord, on ne mange pas, on ne mange pas. Oui, ça c'est une pensée philosophique, sociale qu'on sort, mais lorsqu'il faut capter cette idée-là, il faut à ce moment-là se rabattre sur des projets susceptible de répondre à non seulement l'augmentation démographique, mais à aussi la croissance économique. Très rapidement, nous, Congolais, nous doublons tous les 20 ans. Mobutu nous a laissé à 47 millions, presque, ça fait 20, 24 ans depuis qu'il est parti. Aujourd'hui, nous sommes autour de 100 millions, au-delà de 85 millions. Cela veut dire que Tshisekedi quittera le pouvoir, il va nous laisser, parce que j'ai toujours cru qu'il va compiler les deux mandats. Il va nous laisser autour de 150 millions. Donc, en 2040, nous serons 200 millions. Et lorsque nous allons célébrer le 30 juin 2060, donc 100 ans pour la RDC, nous serons 400 millions. Et avec une population C'est moyenne. des projections basées sur aucun chiffre, hein. C'est sur des estimations Bon, qui ne sont appuyées sur rien d'autre. non, si tu es. C'est empirique, en fait. Non, c'est la science des futurologies existe. Oui, mais ça, c'est pas une science, ça, c'est une projection. Vous pensez comme ça. Non, il y a des calculs. Oui. Vous irez en démographie, vous pouvez calculer le coefficient de 3,1 que nous avons chaque année. Sur 20 ans, on peut doubler. Mais avec une population moyenne de 25 ans, tu es responsable des familles, tu as des jeunes frères et des grands frères, tu connais la quantité de nourriture que peut prendre un jeune Congolais qui fait le sport. Cherchant à répondre à cette problématique, lui-même qui est fermier, bien que lorsque les journalistes lui ont posé la question, quand il va quitter la magistrature suprême, il fera quoi? Il avait dit le journalisme. Mais en principe, Kabila mérite de porter la carte d'un fermier ou d'un agriculteur. Parce qu'avec l'expérience de Kingakati, il nous démontre qu'on peut ne pas investir en Europe, mais on peut bien nourrir les Congolais. Je sais pas que je ne vous suivrai pas dans tout ça, hein. Non, Parce qu'il y a tellement de choses à redire, si je me mets à dire, on prendra beaucoup de temps. Je vous laisse d'abord ça, c'était quand même mon je vous laisse introduction. évoluer. Oui, Ça, allez-y. c'était quand même mon Oui. introduction. Et c'est important, en cherchant à résoudre la question du social, Kabila a souhaité mettre en place 22 parcs agro-industriels. 22. Avec un coût global de 2 milliards. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que nous importons 2 milliards aussi. Alors, il a estimé que comment on peut importer le maïs, oignons, soja et consorts, au moins nous pouvons aussi le produire chez nous. Alors, il voulait mettre 4 parcs agro-industriels expérimentaux, dont Bukangalonzo, plein de Razuzi, Kasai et les Katanga. Alors, comme c'est lui le chef du gouvernement qui imprime le programme et la vision, il instruit au gouvernement de s'occuper de cette question. Non, limitons-nous d'abord au niveau de disculper tout de suite et maintenant Joseph Kabila. Il n'est plus dans ça. Joseph Kabila, son travail, c'est de penser. Il pouvait même penser construire des hôpitaux pour tout le monde. Ça, c'est une pensée. Il n'engage pas l'argent, il ne fait rien du tout. C'est sa pensée à lui. Mais c'est la personne qui exécute le plan qui endosse la responsabilité, même devant le Parlement et devant l'histoire. Alors, en ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est Kabila. On met Kabila de côté parce que Kabila n'allait pas répondre devant le Parlement. Très bien. C'est Matata qui allait répondre devant le Parlement parce qu'il était Premier ministre en ce moment-là. Très bien. OK. Votre analyse est aussi correcte. D'accord. Correcte dans quel sens? Parce qu'à l'époque, 2014, nous sommes dans le boom de cobalt. 2013-2014, la République démocratique du Congo avait l'argent. Et il a estimé qu'il pouvait
disponibilisé pour ce projet de Bukangalon, 150 millions. Alors pourquoi? Parce que l'appel, la procédure d'appel d'offres, dans sa globalité, ça n'a pas marché. Mais comme il y avait des Sud-Africains, Africom, Pourquoi ça n'a pas marché? ouais, bon, évidemment, lorsque vous faites l'appel d'offres, vous pouvez demander, vous avez une entreprise ici, je voudrais recruter des caméramans qui ont fini à la Polytechnique et consorts. Écoutez, s'ils ne viennent pas, tu peux te rabattre sur les gens de Non, l'ISIPA. mais qui a dit qu'ils ne sont pas venus? Parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres. Non, pas du tout. Voilà, j'ai un projet ici. J'ai un rapport. Il ne faut pas qu'on dise ça. Parce que j'ai le premier rapport. Et celui de Unique Investment Opportunity, c'est en anglais. Et voici ce qu'eux disent. Nous sommes en 2004, la République démocratique du Congo lançait un programme, 2004, hein? 2014, pardon, Ah, ok. lançait un programme visant à créer 22 parcs agro-industriels à travers le pays sur plus d'1 500 000 hectares et tout. Le premier de ces parcs a vu le jour la même année en tant que projet pilote de Bukangalonzo, environ 260 km au sud-est de la capitale de Kinshasa. Créé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et Commodity, une société sud-africaine, le parc occupe 80, et puis il explique 92 millions de dollars de fonds publics dans ce parc. Ressources devant été gérées par Africom. Les activités ont démarré en 2014 avec des objectifs de production ambitieux. Des objectifs de production ambitieux. Mais quand on suit l'esprit, parce que ça c'est le résumé, ils disent qu'il n'y a eu aucun appel d'offres sérieux. Et que le monsieur a été appelé. C'est eux, c'est le gouvernement qui est allé, on va dire, monsieur Matata qui est allé les chercher. Ils n'ont pas concouru. On n'a pas fait une étude de planification. J'aime beaucoup ta rigueur, mais tu as précisé un mot important que je note, Ouais. qu'il n'y a pas eu un appel d'offres Ouais, il n'y sérieux. a pas d'appel d'offres sérieux. Sérieux, Ouais. mais il y a eu au moins un appel d'offres. Pas sérieux, bien sûr. OK. Ça, c'est ça, c'est la subjectivité. Non, mais Non, comment? un instant. Allez-y. La réalité, c'est qu'il y a eu appel d'offres et les gens n'ont pas répondu. D'où il fallait procéder au gré à gré. Et le gré à gré le plus disponible, c'était Africom qui montait déjà une usine d'engrais à Boma. Et Africom, c'est un consortium de 15 entreprises. Donc, faire des gré à gré avec Africom signifiait engager déjà 15 entreprises. Mais ce que les gens ne savent pas, un, Bukangalonzo est subdivisé en trois grandes entreprises. La première entreprise, c'est l'entreprise qui consiste à gérer. Enfin, mettre les sites dans un état enviable. Deuxième entreprise, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme logistique et consorts. Et troisième entreprise, c'est la distribution, marché international de Kinshasa, quelque chose comme ça. Sur le plan politique, parce que là nous parlons PESTEL, PINIA, Programme national d'initiative agricole, d'investissement agricole, commence par concevoir le projet et il est pilote. On quitte, le projet est présenté au secrétariat général du ministère de l'Agriculture. Les techniciens du gouvernement vérifient la faisabilité du projet. Le projet monte au ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture, le projet avance dans la commission interministérielle Écofine et Reconstruction, composée de cinq ministères, portefeuille, petite et moyenne entreprise, industrie, développement rural, agriculture et finances, dont six. De là, le projet avance dans la commission mixte des textes, présidée par Néhémie, le conseiller principal à l'époque du chef de l'État en matière de questions juridiques. Cette commission fait les rapports au gouvernement, le gouvernement envoie les dossiers à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la présidence. Bref, ça monte à tous les niveaux. D'où vient maintenant, là où on peut impliquer le Premier ministre, c'est lorsqu'il disponibilise les fonds au travers du ministre Kitebi. Avant d'abord d'arriver là-bas, Oui. vous dites ici qu'il y a eu un appel d'offres. Est-ce que vous avez lu le rapport Building a Better Working World? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ouais. Ils disent ici qu'ils ont la liste des gens qui étaient compétents, le moyen nécessaire pour avoir le marché à la place de Commodity, de votre histoire de l'Afrique, leur histoire de l'Afrique du Sud, mais on leur a refusé la porte. Et ces gens-là sont prêts à témoigner, si vous voulez, on peut les amener. Ils peuvent témoigner pour dire qu'ils avaient tous les éléments possibles pour agir, mais on leur a refusé parce qu'il s'agissait des commissions. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à débander à ces gens-là de venir?
Parce qu'ils sont prêts. Ils n'attendent que ça d'ailleurs. Ils attendent concourir à la manifestation de la vérité. Déjà, un, il y avait un problème de ce côté-là. Deuxième chose, avant d'aller plus loin, les experts, toujours de ces rapports, parce qu'il y en a au moins 7 ou 8 comme ça, qui estiment qu'il n'y a eu il n'y a pas eu de travaux préparatoires sur la question. Pas de planification, pas d'études de faisabilité. C'est, je vais vous lire, tout d'abord, la manière dont les terres ont été acquises correspond bien à la définition d'un accaparement des terres. Ça veut dire même qu'on a volé, extorqué, ravi des terres des gens. Je peux vous donner des rapports, vous pouvez lire. Ça, ce sont les témoignages. Je n'ai pas mes lunettes, Malheureusement. mais je vois les sigles. Oui. EY. Oui. EY. Voilà, les témoignages des gens. Alors, Non, les sigles là, dites-moi. EY, Oui. ils ont fait l'audit. Oui. Cette même entreprise-là, c'est une entreprise expérimentée dans la comptabilité. Et ils ont démontré que tout a été fait normalement. Au moment où nous parlons, cette semaine, l'actuel ministre de l'Agriculture a reçu les chefs de terre. Un des chefs de terre qui est venu se plaindre que les autres viennent seulement demander des bras d'eau. Voilà, qu'est-ce qui était au moins conçu? Moi, j'ai été dans les infrastructures, dans les travaux. Bukangalonzo, c'est 6 villages, à peu près 468 ménages, qui devraient aussi rester et qui devraient bénéficier de 1000 hectares pour faire l'exploitation, parce qu'on ne peut pas les envoyer très loin. Mais au moins, Bukangalonzo, ce n'est pas un parc, enfin, ce n'est pas une ferme monoculture. C'est une ville qu'il fallait faire, du genre Shenzhen, une zone économique sociale quand même. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici 15 millions à Kinshasa. On doit aller vers où? Où est-ce qu'on classe New Kin? Bukangalo, dans tes dires, c'est à 260 km, Oui. 260 à 300 km. Nous tous, nous pouvons aller là-bas. C'est une entreprise, enfin, un parc qui pouvait utiliser plus ou moins 6 000 personnes le jour. Ça veut dire quoi? Il était facile de nous amener d'ici vers là. Ce qu'on appelle Est-ce qu'il y a eu des l'exode urbain. rapports de travaux préparatoires? Tu Est-ce qu'il y sais. a eu des ingénieurs qui ne sont pas des politiciens qui ont travaillé sur la question? Pourquoi on n'a pas rendu public les travaux préparatoires, la planification? Pourquoi on ne l'a pas fait? Si, cela a été fait. Où Non. sont les rapports? Non, un instant. Si vous allez. Je suis pas le ministre de l'Agriculture. Ça se traite au niveau du ministère de l'Agriculture. Écoutez, c'est Bukangalonzo là dont on parle. Ce sont des types de projets. Toi, tu connais les managements de projets. En principe, un projet qui doit avoir des résultats dans les 15 ans. Mais Bukangalonzo ici a produit 20 000 tonnes deux fois l'an en 2015, en 2016. Deux fois l'an, 20 000 tonnes. Mais les experts disent que c'est une sous-production, Non, M. mais Barnabé. écoutez, ce n'est En fait, qu'un c'est une détail. sous-production. Vous n'allez pas quand même Cet vous expert-là, glorifier pour des non, histoires on s'est qui glorifié. peuvent être faites à n'importe quel camp. Mais attendez. Écoutez, Kingakati n'a pas été bâti en un jour. Tu comprends? Bukangalonzo, l'installation seulement des équipements devrait faire 3 ans. Tu comprends ça, Bossine? Ça devrait faire 3 ans. Mais ici, dans 3 ans, nous avons eu deux fois 20 000 tonnes. Et puis les gens croient seulement que c'est du maïs. Non. Pourquoi on a commencé par le maïs? Parce qu'il fallait faire aussi l'élevage. Mais vous n'avez pas. Vous m'amenez ailleurs alors qu'on est dans le vrai problème. Je vous oppose le propos du chef Ngazi. Ce rapport est documenté. Le chef Ngazi, Ndukupala de Baringa Ngazi. Oui. Voici ce qu'il dit. Oui. Ils nous disent que toutes nos terres appartiennent à l'État. Nous avons hérité de ces terres de nos ancêtres. C'est là qu'ils sont enterrés. Ces terres ne peuvent être vendues et nous devons les préserver pour les générations futures. Toi, tu es Ils juriste. s'opposaient. Non, ce qu'il dit là, c'est conforme à la loi Bakajika? Non, il n'y a pas de conformité à la loi Bakajika. La loi Bakajika n'est pas une loi Je t'ai dit. d'expropriation. Non, Non. je t'ai dit les rapports que moi j'ai lus, on ne devrait pas chasser les habitants. Je t'ai dit 468 ménages devraient garder leur place. Mais c'est pas ce que le chef Ngazi dit. Mais ça, c'est Ngazi. Moi aussi, je t'ai dit les rapports que Mais vous j'ai n'êtes pas lus. là-bas, vous ne vivez pas là-bas. Non, mais Lui, il vit là-bas et puis c'est un chef. c'est écrit contre écrit. Oh non, mais c'est pas écrit contre écrit, lui il est chef quand même. Non, mais On ne peut pas se écoutez, battre sur ça. tu sais que les tueries de Beni, Hein? c'est entre chefs. Donc, les propos de nos chefs là. Quand on dit que quelqu'un est venu demander une prade au ministère de l'Agriculture, c'est toujours un Mais il chef. faut donner le nom. Ah ben Pourquoi on ne écoute. donne pas le nom?
Non, mais toi, tu as donné un gaz, peut-être. Oui, mais il est Toi, là, tu les as voulu. rapports. Non, c'est les rapports, c'est pas moi, les rapports. Écoutez, il y a 6 villages. On a, toi, tu n'as que le propos Mais d'un je seul. suis en train de vous donner plus, mais vous n'êtes pas en Non. mesure de lire. Il y en a beaucoup, monsieur Barnabé. Voilà la fiche technique de toutes ces maisons, de toutes les terres qui ont été prises. Moi, c'est pièce contre pièce, vous voyez. Ouais, je ne suis pas contre. On a pris et on a produit. On a produit. Est-ce que... Bon, malheureusement, je ne peux pas te poser des questions. Je Comme vous continue à voulez. faire mon raisonnement. Allez-y, faites votre Est-ce raisonnement. que c'est à cause des propos de Ngazi que lorsque Kitebi quitte les finances, on arrête les financements du Bangalore? Ne faut pas dire ça, il faut plutôt dire, est-ce que les propos de tous les chefs qui ont été là, qui ont été répertoriés, On est vous voyez? stoppé. On fait que l'après Kitebi, on ne finance plus. Non, le problème, on n'est même pas encore à ce niveau-là. La question du financement, on en parlera. Ici, on est d'abord dans la première question, la terre. Si le chef Ngazi et tous les autres parlent, parce qu'il n'y a pas eu une planification, justement, ce que je veux vous dire. Il n'y a pas eu une planification, les ancêtres, je veux dire, les autochtones n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été mis en contribution. Ne me poussez pas à te dire que tu confonds la planification. Je comprends pas. La planification, ça veut dire quoi, selon vous? Hein? Dites-nous. Parce que quand tu dis que les propos de Ngazi, ça ne peut pas. De toi et moi, là, même Ilunga est allé sur le terrain, il a trouvé que l'entreprise existe. C'est-à-dire que on peut, lorsque vous planifiez, vous dites, dans 3 mois, je discute avec tel, dans les 6 mois, je déploie le matériel, dans 2 ans, je fais ceci. C'est ça la planification. Oui, bien sûr. Alors, lui, le monsieur, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue à passer au ministère de l'Agriculture. S'ils n'ont pas été servis, ce n'est pas à moi de défendre ça. Je ne sais même pas s'ils s'étaient attendus à combien. Parce que je connais aussi les débats, toujours sur Bukangalonzo, où on reprochait à certains chefs coutumiers d'exiger des prades, et pourtant on devrait donner les macassous. Est-ce que pour les terres, on donne quoi? On Mais donne le prade, on d'accord. donne le macassou. Ici, il y a les macassous ici. Il y a la preuve qu'il y a eu des macassous Ah, ben voilà. qui ont été versés. Mais Qu'est-ce que signifie maintenant les macassous? oui. Là n'est pas le débat avec Non, moi. là n'est pas le débat. Mais moi, pour moi, je considère que, est-ce que c'était une erreur de placer le premier parc agro-industriel à Boukangolonzo? Parce que probablement, comme Kabila voulait amener ça à Tchouapa, peut-être avec Ouidal, ça pouvait marcher. Mais il faut quand même rappeler ici aussi un élément important. Les contextes dans lesquels on lance quand même Boukangalonzo, nous sommes d'accord sur le plan, sur l'aspect politique. Oui. Comment expliquer qu'on vous donne une entreprise chez vous qui peut utiliser 6 000 personnes emploi direct, 60 000 emplois indirects? On met un aérodrome, on crée une nouvelle ville, on met l'antenne de télécommunications, il y a l'Internet, il y a l'eau, il y a 56 mégawatts, et vous sabotez ça. Je rappelle ici que... Qui sabote? Ah ben, parce que le numéro 1, par exemple, celui qui devrait se mordre et se tuer pour que Boukangalonzo fonctionne, il ne l'a pas fait. Qui? Obeminako, par exemple, qui Comment est... ça? Mais c'était lui le numéro 1 de la majorité présidentielle. Oh, mais c'est pas ça, c'est pas. Non, 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 mais comment c'est c'est pas. pas ça? Un instant. Oui. Parce qu'on n'est pas en train de confondre finalement. Non. C'est un programme, ça n'a rien à voir avec la majorité Est-ce que le programme présidentielle. tombe comme ça? Non, mais attendez. C'est eux qui étaient au pouvoir. Ah, donc vous acceptez avec moi qu'il n'y a pas eu planification, c'était plutôt des arrangements politiques alors. C'était des arrangements propagandistes. Peu importe. Peu importe. C'est Mais si dommage. ça... Non, c'est pas demain. Si ça peut amener, si ça peut créer de l'emploi, on fait quoi? Mais vous savez tous qu'on ne peut pas créer des emplois en réfléchissant politique. C'est un schéma Ce social, un sont les schéma politiques. intellectuel qui devrait Bon, être c'est mieux. mené. Ici, ce sont les politiques qui réfléchissent. Non, mais voilà comment vous pulmonez. Vous pulmonez, je le dis, sans vous faire comprendre. Vous pulmonez parce que vous êtes scientifique et que le projet a déjà été fait avant vous. Si vous étiez invité en amont pour réfléchir, pour que Batiang en application, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler comme ça. La question, c'est de savoir pourquoi on a arrêté. Non, la question est de savoir comment on a réfléchi d'abord ça. Le problème, c'est que moi, je t'ai dit là, la volonté était que le premier parc commence à Tchouapa pour la production du riz. Les éléments politiques à l'époque, il faut rappeler. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on cite souvent Matata. Vous avez un Obeminako, président de l'Assemblée nationale, numéro 1 de la majorité présidentielle, prétendu dauphin. Vous avez quelqu'un, même âge, collègue de même université, qui a la primature. Pressentiment, dauphin. Un combat commence. Aujourd'hui, tout le monde peut critiquer Matata. Tu penses que à Kindu ou dans les Maniema, on ne peut pas produire les riz ou les maïs? Il aimerait aussi amener ça là-bas. C'est parmi les provinces les plus retardées de ce Le pays. problème n'est pas là-bas. Non. Je t'ai dit aussi, c'est Pourquoi vous amenez important. Abominaku dans tout ça? Il n'a rien à voir ici. Mais c'est lui, parce que c'est allé chez lui. Non, mais c'est pas aller chez lui, c'est aller au Congo. Pas aller chez lui. Oh, là, tu dévis les débats. Non, il n'y a pas le débat là-bas. Pourquoi vous mettez Abominaku? Bon, Il n'a évoluons. rien à voir. Évoluons. Ouais.
Je te dis, deuxième problématique. La même, si on avait fait la même, si on avait fait Bukangalonzo à l'Équateur, avec le même, la même manière de travailler, on allait aboutir au même résultat. Si on avait amené Bukangalonzo même à Kindu, ça n'allait produire que des universités comme on l'a vu là-bas. Mais ça n'a produit rien d'autre. Le problème, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et quelles sont les causes ici alors? Les causes ici, c'est la mégestion, la mauvaise gouvernance, le mauvais calcul, l'absence de planification, l'absence du sérieux. Bon, c'est bien. Tout ça est là. Moi, je vous dis que pas bon rapport. Hein. Non, ben, j'ai pas mes lunettes pour me rassurer de ton texte. Mais le problème est celui-ci. Le plan ambitieux n'a cependant jamais été mis en œuvre. Trois ans après son lancement, seulement en grande pompe, le projet pilote de Bukangalonzo s'effondrait en 2017. Non, c'est le personnel sud-africain quittait le pays alors que les travailleurs locaux étaient licenciés. En juin 2018, Africom engageait une action en justice contre le pays devant la Cour internationale d'arbitrage de Paris pour non-paiement de leurs dépenses. Alors que les activités restent à l'arrêt, le gouvernement a annoncé en 2018 son intention de relancer le parc et de mettre en œuvre le 21 pour autres projets. Les quatre premières phrases sont d'une fausseté intellectuelle terrible. Alors dites-moi pourquoi. Mais parce que lui, il dit que le projet n'a jamais existé, pourtant le projet existe. Oh. Moi, mon problème, écoute mon raisonnement dans l'émission. Je considère par exemple que le président Félix est en train de me suivre. Pour répondre à la problématique du peuple d'abord, qu'est-ce que moi j'ai dit au président? Écoute, tu sais pourquoi le premier ministre est allé visiter Bukangalonzo dernièrement, après une année aux affaires? Le général Kassongo, celui qui dirige Service National, conçu par Musée Laurent Désiré Kabila, il fait un rapport au président, il dit « Je viens de produire 5000 tonnes de maïs, mais je ne sais pas les évacuer vers les centres de consommation. » La problématique qui se pose au Conseil des ministres, comment il faut nourrir les Congolais? D'abord, les Congolais d'aujourd'hui, comment il faut les nourrir? On n'a pas encore fait la projection sur les Congolais de demain. Et la question de Bukangalonzo va suivre. Mais nous sommes à 260 km. Comme tu as dit, Bukangalonzo, c'est 8 fois la ville de Paris. Cette Bukangalonzo a produit 2 fois 20 000 tonnes de maïs. Alors, lorsque le Premier ministre arrive, tu t'imagines 5 ans après vous dites 20 000 deux fois. Oui. 20 000 tonnes, ça veut dire 40 000 tonnes. Oui. Et vous vous enorgueillissez pour 40 000 tonnes. Ce n'est qu'un début. 12 millions d'habitants, on est sérieux là? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, que Bukangalonzo devrait produire en 2021 50 000 tonnes? Parce que tu as lu le rapport. Oui, oui. C'est par campagne. Tu sais que la campagne de maïs, c'est 4 fois l'an. 4 fois l'an. Un projet qui commence en 2014, 2 ans après, vous met déjà 40 000 tonnes sur le marché. Mais vous sous-estimez ça? Mais c'est rien par rapport. Ce n'est qu'un début. Mais c'est pas possible. Ah. Le maïs ne pousse pas en début. Le maïs pousse comme ça. Oui. C'est pas en début. Mais il faut le planter. Non, mais alors. Non, le début, c'est le début du projet. Il ne faut pas me dire ça. Oh là là. Toi, tu as quand même, tu connais l'agriculture. Oh là là. Moi, je suis fermier. Est-ce que tu comprends que. Oui. Même Congo Base ici n'a pas commencé par 8 émissions par jour. On est bien d'accord. Mais lorsqu'un projet commence, ouais, il faut mettre l'aérodrome, il faut mettre l'eau, il faut mettre le courant. Et que quand même, après 2 ans, on peut produire 40 000 tonnes l'an. Ça, ce n'est qu'un début. Mais 5 ans après, ouais, comme toi, tu veux t'apprendre à Matata. Non, pas du tout. Lui, au moins, il a fait ça. Badibanga a mis combien de tonnes sur le marché? Non, mais c'est pas Badibanga. Chibala a mis combien? Ilunga a mis combien? Ce n'est pas Badibanga. Heureusement, tu comprends. C'est un faux fouilleur. Non, heureusement, tu comprends lorsque que le débat ne peut pas être à ce niveau-là. Le projet est mal fait, même Jésus-Christ ne pourra pas réussir ce projet-là. Le projet de Matata Mpogno, selon certains rapports, c'est un fiasco. Non. Mais je te dis que toi-même, tu étais ici à Kinshasa. Oui. Est-ce que tu crois qu'il pouvait se réveiller comme ça, lui, dans son génie et mettre en place un projet comme ça? J'ai introduit un truc, ça c'est la vision de Kabila. Ça ne peut pas se faire sans la volonté de Kabila. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire sans la volonté de Kabila? Bukangalonzo, ça ne peut pas se faire comme ça. Justement, Kabila avait le pauvre avait une belle idée. Mais ceux qui l'ont exécuté l'ont mal exécuté. 6 ministres. Non, mais 6 ministres n'ont pas travaillé seuls, ils ont travaillé sous la supervision. Non, du premier ministre. Du ministère de l'Agriculture. Non, mais c'est le premier ministre qui était derrière tout ça. La commission qui dirige Bukangalonzo, c'est la commission interministérielle présidée par le ministre de l'Agriculture. Détends, moi, on ne se comprend pas du point de vue fonctionnement du gouvernement. Arrêtons de défendre l'indéfendable. Non. On n'en veut pas à Matata Mpogno. On n'en veut pas. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que les choses ont été mal faites. Peu importe. Il faudrait qu'on se rassure quand même que Zaki Bongo, non? Bon, peu importe. Lorsque c'est mal fait, ouais, on fait comment? On repart, on arrange. Qui repart? Mais le Premier ministre, alors, le responsable. C'est qui?
C'est qui le Premier ministre responsable? Partant du principe de la continuité des affaires de l'État. Non, si on parle du principe de la continuité de l'État, il faut d'abord que quelqu'un qui a appliqué, celui qui a fait le mal en premier, soit capable d'abord de reconnaître le mal qu'il fait. Peu importe. Bon, partons dans cette hypothèse, oui, je reconnais. Oui. Et puis? On change de paradigme. Alors? Il faut changer. Je crois qu'il faut changer. Qui change? Mais le ministre, le Premier ministre, il change. Donne son nom. Non, mais qui? Je veux donner son nom. C'était la Kabylie, c'est tout à fait normal. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je pense par contre, s'il faut continuer, c'est à Fatshi, maintenant, donc président de la République, je t'ai dit, de se dire qu'est-ce que je veux pour qu'on en arrive là. Le Premier ministre est allé là-bas, il a vu le... Quel était son constat? Un constat amer. Non. Mais bien évidemment, il a vu des moteurs qui ont pris le pied. Non, mais il a vu aussi des motos qui étaient là. Il a vu aussi des motos qui étaient là. Il a vu que les machines, on a coupé seulement les moteurs. Lorsque moi je te pose la question, le changement de paradigme dont toi tu souhaites et que moi je défends, parce que moi je suis pour la reprise de ce projet-là. Non, moi je suis contre la reprise de ce projet. Mais... Moi je suis pour par contre une refonte, une grande réforme. Oui, ça fait quoi? Techniquement, ça fait quoi? Techniquement, c'est qu'on fasse autre chose que ça. Quoi? On met les terrains de basket? Non, pas du tout. Non, mais l'agriculture ne peut pas être forcée forcément par là. On fait quoi? On fait les mêmes programmes, mais autrement. Comment? Tu es scientifique. Je t'ai dit que le président est en train de nous suivre. Adressons-nous au président. Vous voulez que je vous donne... Adressons-nous au président. Qu'on fasse le tableau autrement. Parce que je vous prends un exemple. Comment Mbandaka était nourri, était ravitaillé en riz? On appelait les riz de Bumba. Oui. Les riz de Bumba approvisionnaient toute l'Équateur. On n'avait pas de problème. Ouais. On avait après, c'était les riz de Ghana qui étaient arrivés. On a des vastes champs là-bas. Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi nourrit pratiquement le Bumbashi? Vous le savez? Oui. Oui, mais pour combien de kilomètres seulement? 6 kilomètres. 6 kilomètres. Mais il peut nourrir déjà une bonne ville de Lubumbashi. Donc, il est beaucoup plus technocrate que M. Matata Ampogno, qui a eu ce projet-là. Parce que si quelqu'un avec 6 kilomètres peut nourrir une bonne partie de Lubumbashi avec le maïs, à combien plus forte raison, vous, qui avez 260 kilomètres? Non, 260 kilomètres, c'est la distance Kinshasa à Bukangalore. Non, Bukangalore, c'est 80 kilomètres carrés. Tu as raison. Si Moïse a 6 kilomètres... Oui. Oui, c'est 260 km au sud, oui. Ouais. Oui, bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être... 80 000 hectares. Ouais, c'est 80 km². Oui, 80 km². Ça veut dire qu'il ne faut pas être... Moi, mon problème, il ne faut pas être figé sur la personne. On n'est pas figé sur lui, on est... Lorsque... Sur la manière non, lorsque lui part, ce qui arrive, trouve les dossiers sur la table, oui ou non? Oui, il trouve les dossiers sur la table. 5 ans après, est-ce que les dossiers sur la table, oui ou non? Non. Les dossiers sur la table, c'est très mal fait. Est-ce qu'on peut... Ils sont dans le débat. Le problème, c'est qu'ils sont dans le débat. Est-ce qu'il faut changer ou continuer? Écoutez. Le Premier ministre a commis une erreur en partant dire on va relancer le projet. On dit on ne peut pas relancer si on n'est pas, on n'a pas évalué. Mouzé est parti. Oui. Il y a de cela 19 ans. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il est parti il y a de cela 19 ans. Aujourd'hui, à la tête des services nationaux, nous avons un général, Kassoum. On lui donne seulement 2 machines. Il vient de mettre sur le marché 5000 tonnes de maïs. 5000 tonnes. On l'a vu ça à Mbujimayi et arrivé partout. 19 ans après. Est-ce qu'il faut attendre Bukangalonzo aussi 19 ans après? Moi, je dis non. Quels que soient les reproches que vous pouvez faire. Parce que ta première question, est-ce qu'il y a fuite? Est-ce qu'il y a ceci? En demandant ce que l'IGF arrive. C'est peut-être parce qu'il comprend qu'il n'est pas gestionnaire direct. Il n'est pas le premier concerné dans ce dossier. Qu'il faut que l'IGF arrive et regarde. Avez-vous... Parce que moi, j'ai vu le rapport de TEY là, sur le plan des audits financiers. Les gars, là, ne reprochent rien à la République démocratique du Congo. Même rapport de TEY là. Non, pas du tout. Oh, non. Si. Non. Alors là, c'est qu'on a, on a deux EIE. Parce que celui que moi j'ai, les rapports que j'ai, accable outrageusement, si vous voulez le terme. L'ancien Premier ministre et tout ce qu'il a fait comme gestion. Mais la semaine passée, je l'ai ici. La semaine passée, comme lunettes, vos lunettes, la semaine passée, les rapports gouvernementaux, de la justice d'ailleurs, les rapports de la police judiciaire, démontrent que, du point de vue côté congolais, il n'y a eu aucune malversation. À l'exception d'Africom qui a majoré légèrement les prix des engins. Ça, c'est le rapport de la justice congolaise. Maintenant, nous attendons aussi l'audit de l'IGF. Ce qui n'est pas mauvais. Pourquoi ça gêne les gens qu'on demande ça? Comment est-ce que Thomas Louaka peut demander que l'IGF regarde la réhabilitation de l'Inikine? Oui, pourquoi pas? Parce que tu as déjà dit que Matata ne peut pas le il faire. Il ne peut pas le demander. Et s'il le fait? Thomas Louaka ne demandera pas, il attendra que l'IGF fasse son travail. Peu importe, on peut se demander. Oui, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pose une question. Est-ce que M. Matata avait déjà en son temps fustigé, critiqué, sorti un rapport accablant la manière de faire les choses? En tout cas... C'était-il plein? J'ai 4 lettres. J'ai lu 4 lettres. Oui.
où il a même audité AFRICOM avant de commencer, pendant et même avant qu'il ne parte. Oui, donc, allez voir Kitebi, Kitebi en est témoin. Il ne s'est jamais, plaint. Non, mais il a écrit. Mais où sont ces lettres? Bah, je veux que je te donne. Moi, mais on en a besoin. Je me promets, moi, avec le gouvernement. Peut-être l'IGF te donne... non, nous je dira ça. Ouais, l'IGF, tu donnes plus. Tu es journaliste d'investigation. Oui. On va poser la question à Kitebi. C'est pourquoi je... Non, moi, je ne peux pas d'abord Kitebi. Moi, je ne parle pas de ceux qui exécutent le projet d'abord. Non, je ne parle pas de ceux qui, viennent après. Moi, je parle de la tête. Je voudrais, moi, recevoir sur ce plateau M. Mata Tampogne, qu'il réponde à toutes nos questions. Moi, je lui donnerai des rapports. Et puis, il va nous dire, et s'ils veulent qu'on nous donne le moyen, qu'on parte à Bukangalonzo, inspecter les terres, ainsi de suite. Un autre élément, comment ont été gérées les machines quand on sait que beaucoup de moteurs se sont retrouvés dans l'eau devenus de baleinières, et certains gouverneurs l'ont fait. Il y a trois entreprises. Il y a trois entreprises dans Bukangalonzo. Il y a une entreprise qui vend les produits sur le marché en dehors de la... Il y a une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme engin. Et il y a une entreprise qui s'occupe de l'exploitation agricole. À cette question-là, comment... c'est comme finalement la fameuse question des milices. Comment on peut vendre les moteurs d'une entreprise comme ça, au moment où il y a le gouverneur, il y a la DEMIAP, il y a l'ANER, il y a la police, il y a les parquets, il y a tout le monde. Oui. Et on laisse les motos qui ont les pleins succès au Congo actuellement suite au transport. Parce que les images que j'ai vu qu'on a abandonné des motos neuves. Il y a même des avions qu'on a abandonnés. Si, on a enlevé les moteurs. Mais qui était là? Parce qu'il y a la garde de la police. Est-ce que vous doutez qu'on a enlevé les moteurs ou vous ne doutez pas? Non, moi j'ai pris qu'on a enlevé 4 moteurs. Non, mais... pas 4, on a enlevé beaucoup de moteurs. Moi je viens de... 4 c'est déjà beaucoup. Je vous dis, moi je viens de l'Équateur. J'ai vécu là-bas. J'ai vu les motos, les moteurs de Bukangalonzo dans l'eau. En train de faire le trafic, Kinshasa qui s'engagne et Kinshasa qui s'engagne. Tout le monde a vu, sauf le Premier ministre. Au moins, tu serviras de témoin parce qu'il n'est jamais allé à l'Équateur, probablement. Mais moi, mon problème, c'est comment expliquer celui qui vient voler le moteur, laisse le moto neuf. Mais parce que le moto, c'est beaucoup plus clair, on va voir, non? Non, mais comment? Parce que ça circule ici. Non, tout le monde verra les motos. Non, mais... On prend les moteurs, tout ça, c'est une vieille méthode, tout le monde le sait. Peu importe, je ne suis pas spécialiste en matière de vol, toi, tu es apparemment plus expérimenté. Non, non, parce que je connais, j'ai vécu avec les voleurs ça... qui ont été dans l'ancien régime. Et tous, on sait. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, quand on nomme un ministre en fonction, et quand il veut partir, il part avec le meuble? Qui ne le sait pas? L'avantage dans ces dossiers, c'est que le ministre de l'Agriculture, quand intime, c'est un homme politique qui peut parler. Il y a le professeur qui a été Sitibala. Sur les 3-4 ministres de l'Agriculture, tous, tu peux les avoir à la télé. Et ici, chez toi... Et pourquoi pas Matata Pognon? Non, je pense qu'elle est gestionnaire direct. Ah, mais pourquoi vous exemptez Matata? Je n'exempte pas, il t'a dit, il n'est pas gestionnaire de cette affaire. Est-ce que c'est vous qui allez nous dire ça ou ce sont les faits qui vont démontrer qu'il n'a pas été gestionnaire? Et lorsqu'il demande à l'IGF de le faire pour démontrer les faits, toi tu lui reproches? Non, je... Non, ah ben, non, tu vois, vous m'accusez, je ne reproche pas. Bon, alors, si. Est-ce qu'on peut parler, vous êtes à l'aise de parler de l'enrichissement personnel de M. Matata Mponyo? Pouvez-vous nous expliquer comment ça se fait qu'on a un projet estimé à près de 400 millions de dollars ou 500 millions de dollars. Et du coup, on a une université mieux nantie que celle où vous avez étudié. Comment on explique ça? Alors que M. Matata a un salaire connu que l'on peut retracer. Je ne me tape pas les titres de son porte-parole pour détailler ni son conseiller financier. Mais les éléments à ma possession. Parce que moi, j'ai un enfant au moins qui étudie à Matata University. Ah, je vois. Ouais, j'ai un enfant qui étudie là-bas. On peut comprendre, allez-y. J'ai aussi vu les images le jour de l'inauguration de l'université. Christian Kambinga était là. Il peut t'aider à bien t'expliquer. C'est qui? Christian Kambinga, il fut ministre. Le petit témoin d'entreprise dans le gouvernement, Mapon. C'est au moins un témoin qui était là. Le vice-ministre de l'agriculture, j'ai oublié le nom, le garçon de Changula. Quand vous arrivez à Mapon University, il y a un tableau où on affiche le nom de tous les contributeurs, de gens qui ont participé sur le plan financier pour construire cette université-là. Et Kabila en est le plus grand donateur. Tango Fort est parmi les donateurs. Maniema, si c'est Maniema Union, est parmi les donateurs. Les mining ont aussi donné. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a le sens de management, qui a le sens de l'entrepreneuriat? Moi, je comprends, je suis perdu quand je vous entends dire ça. Si. Donc, quand on est Premier ministre, on peut s'arroger le droit d'avoir tous les appels du monde, tous les financements du monde, quand on est Premier ministre. Est-ce que vous imaginez ce que vous dites? Non, savez-vous pourquoi Fillon est en prison? Non, cette hypothèse-là est fausse. Tu ne peux pas dire ça parce qu'avant, le prédécesseur de Matata n'a fait qu'un petit hôtel, il n'a pas fini. Et le successeur,
n'a rien fait. Tu Donc peux vous pas dire que copiez le mal tu par ne le peux mal, pas. c'est ça son Non, tu ne rôle, peux hein. pas dire que tous les premiers ministres. Non, je vous ai posé la question. Moi, je vous ai posé juste une question. Ouais. Qu'est-ce que M. Matata avait avant d'arriver au pouvoir? Et qu'est-ce qu'il a déjà construit après son pouvoir? Dites-moi, Donc, je j'aimerais parlais. bien entendre. Matata, je parle rapidement de son CV que j'ai lu. Ouais. Il a été directeur de la Banque centrale. Il a piloté Je parle BCECO. de la gestion, son temps dans la gestion. Oui, mais je t'ai Qu'est-ce que dit. Matata a été? Qu'est-ce qu'il avait avant qu'il n'arrive dans les Matata affaires? a piloté BCECO Oh, avec un financement de 1 milliard Banque mondiale. C'est-à-dire, il a d'abord l'expérience en matière de gestion de projet. Tu comprends? De là, il est allé au ministère des Finances, primature. Aujourd'hui, il a ses bureaux d'études, il a ses fondations qui existent. Poser cette question-là à un intellectuel congolais, c'est une injure. comment ça une injure? C'est comme si toi, on te posait, quand je vois l'équipement qu'il y a ici, on me dit, qu'est-ce que tu étais Moi, avant? je suis journaliste. Je rappelle que je suis journaliste. RTGA. Je rappelle que je suis journaliste. Barème de salaire Non, non. connu. Mais quand je suis allé Parce à que toi, tu dis RTGA, que le tout salaire de ce Matata que. est Non, connu. moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu dans Congo Buzz, pas dans RTGA. Mais À la RTGA, j'ai eu la notoriété. c'est Mais tout ça. ce que j'ai dans Congo Buzz. Donc, vous n'allez pas me comparer à M. Matata. Moi, Non, je je ne te gagnais ma compare vie pas. Tu ne com dignement. non, tu Oui, ne dignement. non, je ne te compare Ouais. pas. Mais il n'y a pas que toi. Tu n'es pas le seul à avoir l'essence Non, entrepreneuriale. ce n'est pas le cas. Moi, je vous pose Oui. la question. Qu'est-ce que M. Matata a eu après qu'il soit Premier ministre? On a comme l'impression que tout ce qu'il a, c'est quand il était Premier Non, ministre. faux. L'université est construite quand? Dites-moi. Son Faux. université est construite quand? À quelle période? Mais peu importe, c'est Non, une mais c'est pas. Vous ne école. pouvez pas dire peu Est-ce qu'il n'y a importe. que ça comme richesse de Vous ne Matata? pouvez pas dire peu importe, M. Barnabé. C'est cette mentalité qui détruit le pays. Non, tu Donc, le sais. jour où on vous nomme Non, ministre, un vous vous instant. arrogez le droit d'avoir tous les appels en votre Faut faveur pas, il faut et pas. utiliser votre position de Faut pas ministre. réfléchir à un jaloux. Oh, mais ben, c'est pas Faut possible. pas réfléchir Au à un Congo, quand on jaloux. dit que vous avez pris illicitement, on est jaloux, c'est ça. Non, mais construire, est-ce qu'il est le Sévigné? C'est pas Tu possible. connais Monsieur Sévigné? Vous corrigez le mal par le mal, hein? Non, J'ai comme un l'impression. On corrige instant. le mal par le mal. Est-ce que. Citez-moi un premier ministre dans le monde que vous connaissez qui a construit une université pendant qu'il était au pouvoir. Un seul, et le débat s'arrête. Est-ce que les débats des premiers ministres, c'est de construire l'hôtel ou de construire une université? Comment tu peux Mais réfléchir comment comme les ça? vôtres là? Hein? Non, vous ne vous indignez pas de la richesse des gens Mais dans ce s'il est le pays. seul, Kengo est revenu trois fois. Kengo construit quoi? Comment ça? Monsieur Barnabé, quand on est Premier ministre, On c'est fait pour quoi? appliquer la vision d'un président de la République et résoudre le problème de votre pays. Monsieur Matata était Premier ministre dans De ce temps. Kabila. Il était d'abord, je vais dire, il a étudié à l'UNIKIN, je crois. Oui, il a fini à Ou il a l'UNIKIN. fini à l'UNIKIN. Oui, il a commencé à l'UNILU. On m'a même dit qu'il était assistant à l'UNIKIN. S'il n'eût été le départ du professeur Mabi Mulumba, il serait peut-être docteur ou je sais pas moi, quelque Non, chose il est comme ça à docteur. l'UNIKIN. Ouais, mais Non, avec il est un. docteur à Oui, l'UPC. à l'IPC. On verra bien. Ouais. Au moins L'université. là, chaque étudiant est sur un banc. L'université. Ouais. Mais c'était son rôle de trouver un mécanisme pour améliorer l'UNIKIN. Mais lorsqu'il le C'est pas fait, possible. cet homme-là a au moins construit 747 écoles. Tu connais combien de premiers ministres qui en ont fait? C'était 1000 écoles, le projet. Prévu. Oui. Mais il faut au moins 740. Où sont ces écoles? Est-ce Le... qu'on peut le voir? Si, la Où sont cartographie ces écoles? existe. Mais elles sont où? Moi, j'ai fait le tour de pratiquement tout l'Équateur. Je n'ai pas vu ça. Tu ne. Je suis allé à Boma. J'ai fait Matadi, Boma, Mwanda, à la recherche de la gratuité de l'enseignement. Je n'ai pas vu ces écoles. Je suis allé à Beni. Je n'ai pas vu ces écoles. Ces écoles sont où? Est-ce que toi et Les moi on peut parier? 750. On peut parier sur ça? Oui. Que tu peux m'amener 750 Oui, écoles? l'épreuve de 747 écoles. Je serai très honoré. Ok. Et les Congolais seront très Je contents. promets aux Congolais, je t'amène la preuve. Allez, très bien. Ah, très bien. Poursuivons. Au moins, lorsqu'on parle de l'obligation des résultats, on ne discute pas sur le vide. Lui, au moins, il a dit, je vais faire 1000 écoles. Il en a fait 747. Tu ne peux pas lui reprocher quand même. Ah, donc je comprends bien. Quand il a promis 1000 écoles, Et il il fait fait 700 écoles, 750 écoles, vous applaudissez, 747. 747, vous applaudissez pour lui, n'est-ce Non, pas? c'était un objet de Très débat. bien. Mais quand c'est Bukangalonzo qui échoue, alors là, vous sortez les ministres maintenant. Tel Boukangala. ministre, tel autre ministre. Pourquoi vous ne remettez pas le succès de ces 745 écoles au ministre aussi des tutelles? Moi, j'ai remis tout à Kabila Oh d'ailleurs. là là. C'est lui le visionnaire. C'est dans son actif. C'est Mais. dans l'actif du président de la République. Oui. Non, non, parlons d'abord de la gestion du Premier ministre. Ben. C'est de ça. Pourquoi, je vous ai posé une question, pourquoi D'ailleurs. quand il s'agit du raté de Bukangalonzo, il faut qu'on essaie de parler au ministre. Mais quand il s'agit de C'est la la même réussite de illustration. l'école, il faut qu'on parle du Premier ministre lui-même. Non, c'est la même Assumons illustration. les échecs. On ne peut pas être responsable de tout. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. On assume et les passifs et les actifs. Peu importe. Alors, Peu importe. Mais ne soyez pas figé. comment ça fait? Tu t'imagines? Comment ça fait? Le problème, c'est quoi? Cet homme-là est parti il y a 5 ans.
Mais il y a toujours son nom qui est cité. Ah, lui aussi faisait la même chose. Hein. Quand Mobutu était parti, ça faisait 20 ans. On ne parlait que de Mobutu. Ah ben voilà, le maréchal. Mais... Le Kengo est ici. Kengo a fait combien d'écoles chez lui, à Kotakoli? Non, mais ce n'est pas sa responsabilité d'être... Non, au moins, lui, il a fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi sa fille. Ils ont dit qu'ils ont une société immobilière. Si Kengo fait à une société immobilière, c'est normal. Le mal reste le mal, même si les anges le font. Peu importe. Et donc... La seconde question. Non, mais là, déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-bas dans cette histoire de... Non, le problème, c'est que... Comment on explique la question? J'ai vu une blague sur Internet, mais ça, c'est une blague, en tout cas. On dit, le mérite de Bukangalonzo, c'était d'avoir planté les maïs et récolté des universités à Kindu et dans sa ville natale, là-bas. Comment vous répondez à cette femme-là, à ce monsieur-là, qui estime que, soudainement, vous êtes ministre, vous avez un projet, et tout de suite, vous construisez des maisons? Qu'est-ce que vous lui dites, lui? Tu sais qu'au moment où nous faisons cette émission, j'ai suivi les reportages, je m'attendais à Kindu en train d'inaugurer un dispensaire et en train d'aménager un rond-point. La fondation Matata Mponyo a aménagé un rond-point sur l'avenue de... le boulevard principal de Kindu. Est-il le seul homme politique là-bas? On ne peut pas les tuer quand même pour ça. Lorsque tu vois, hier j'ai vu les images, Widal, ça te dit quelque chose? Widal. Guy Luando? Ouais, ça te dit quelque chose? Tu as suivi son discours hier dans son Tchouapa natal, à Bumba, il dit quoi? Faisons quand même quelque chose pour ici. Si Dieu peut te bénir, fais quelque chose. J'étais vu, toi, faire un reportage à l'entrée de la résidence du gouverneur à l'Équateur. Bah, si toi aussi, tu peux faire une école, c'est pas mal. Vous mélangez. Moi, je construis une école en Bandaka. Eh bien, félicitations. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Je n'ai pas de charges d'État. Guy Luando n'a pas de charges d'État. Ici, nous parlons d'un premier ministre. Est-il fier? Un ancien premier ministre. Si vous voulez. Après lui, il y en a eu trois d'autres. Alors, nous parlons du projet que lui a initié. Transco, Congo Airways, qui tombe aussi. Oui, mais problème d'homme. C'est la même chose. Problème d'homme. On parle de Bukangalonzo. Si vous voulez qu'on parle de Transco, c'est encore scandaleux. Tu feras d'autres émissions. Oui, on pourra encore parler, c'est encore scandaleux là-bas. La question est de savoir, est-ce que M. Matata est-il fier de la gestion de Bukangalonzo? Point barre, la question est là. À son départ, il était très fier. Mais lorsqu'il le regarde, il répond au principe de l'ingénieur Kerkhoff, celui qui a enseigné la plupart d'ingénieurs congolais. Il disait un ingénieur meurt devant sa télévision quand il voit son pont, son ouvrage en train de s'écrouler. Avant lui, qui ont fait comme lui? Et après lui, qui ont fait plus que lui? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Je crois que le président Félix devrait quand même s'approcher de lui et essayer d'échanger. Approcher qui? Ah, Matata Mponyo. Je crois que ça peut faire une bonne combinaison. Au lieu de gaspiller le temps, tel que nous sommes en train de faire. Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire ici, là? Qu'est-ce qu'on va retenir de celui qui est là? Avoir financé deux fois les sangs de moutons, probablement. Ilunga, Ilunkamba. C'est ce qu'on peut retenir de lui, probablement. Qu'est-ce qu'on va retenir de Tshibala? Qu'est-ce qu'on va retenir de Sami Badibanga? Et Muzito et Consort. Mais est-ce que vous allez compter, Sami Badibanga? Sami Badibanga fait quoi? Sami Badibanga n'était pour rien dans tout ça. Au moins, il a fait combien de temps? Non, au moins 100 jours. Mais alors 100 jours, on fait rien dans 100 jours. Non, on fait quoi dans 100 jours? Non, on peut engrosser. Il ne faut pas dire ça, un instant. Parce que dans 100 jours, au moins, il a annulé la mesure. Ma tata disait, les véhicules de 10 ans d'existence, il n'y a que les véhicules de 10 ans qui pouvaient circuler au Congo. Au-delà de ça, non. Il arrive, lui, il remet à 20 ans. Mais justement. Mais non! Comment tu dis qu'il ne peut pas faire? Au moins, il a fait! Non, mais ça, c'est annuler une décision, c'est pas si grave que ça! Comment tu peux croire ça? Mais je vous dis la vérité! C'est quoi? Mais la décision, c'était un instrument de gestion! C'est très facile de détruire un argumentaire qui n'existe, qui était fallacieux! Sami Badibanga, je vous dis, Sami Badibanga a pris la bonne décision, elle était facile cette décision-là! Vous trouvez un faux existant, vous faites quoi? Vous annulez le faux? Ça aurait été difficile pour Sami Badibanga d'étudier convenablement la question! Sami Badibanga, quand il arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? Finalement, les grands esprits lui disent, la mesure qui existe sur le véhicule, c'est une mauvaise histoire. C'est de l'arnaque, tout simplement. Essayez de revoir. Il a revu. Et puis, on ne peut pas le reprocher à Badibanga. Badibanga, c'est comme quelqu'un qui a vécu en Europe. Il sait qu'il y a des véhicules qui datent de 30 ans, 20 ans, en Europe, qui convient circuler. Que le problème, ce n'était pas l'entrée des véhicules, mais le contrôle technique. Au moins, il a fait. Ben, il a fait. Il a bien fait, d'ailleurs. Oui, alors, au moins, il a fait. Mais il a bien fait. Non, parce que toi, tu disais dans ta question que non. On ne peut pas parler de lui parce que lui n'a rien fait. Non, j'ai dit on ne peut pas parler de lui parce que le temps ne lui permettait pas de... Mais au moins, je t'ai dit, à 100 jours, il a fait au moins ça. Je te donne un cas positif d'ailleurs que toi, tu apprécies. Bien alors, j'apprécie le... C'est qu'on peut toujours faire quelque chose. Oui, mais en 100 jours, on sait que le temps est relativement court. Et que le pays dans lequel... Et puis, c'était très difficile de remplacer Matata dans la gestion. Selon personne interne, personne était calamiteuse.
Mais vous savez qu'il n'y a pas que Bukangalonzo qui arrive contre M. Matata Mponyo. J'ai comme l'impression qu'il y a une poisse, il est poursuivi par un cygne, je ne sais pas moi, Non, tout ça. je crois que nous sommes en train de sentir la même chose qu'on a connue avant la désignation des dauphins. Comment ça? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire ça ici, probablement. Parce que lorsque vous regardez les tableaux, il faut quand même parfois aussi regarder les tableaux derrière de ceux sur les 60 ans. Nous sommes à 60 ans, non? Oui. Quand tu fais l'analyse là, tu en trouves combien? Comment? Des parties vertes de notre économie. Hein? Tu en trouves combien? C'est ça le Non. problème. Allez-y plus loin, je comprends pas. Ah bon, donc je peux quand même te rappeler, on a connu les sept glorieuses de 67 à 74 où notre économie était stable, 91-93 où l'économie était stable et 2012 à 2016. C'est pas possible. Il faut lire les documents, Bossembé. Ça, c'est la République démocratique du Congo sur Documents qu'on 60 fait ans. acheter ailleurs. Non, écoutez, on va parler simplement. Monsieur Matata quitte le pays en laissant combien de pourcentages? Les pourcentages de chômage étaient à quel niveau? Étaient à combien? Il en a trouvé à combien pour laisser à combien? Non, non, d'abord, il est parti à combien? Il a laissé à combien? Il a laissé à combien? C'est le seul. 96% de chômage. C'est qu'après lui, nous sommes à 1000 96% de combien? chômage. Aujourd'hui, nous sommes à Aujourd'hui, combien? on est à 97% de chômage. 97-98% de chômage. C'est quand même grave dans ce pays. Mouzito a laissé à combien? Qui? Mouzito. Pourquoi vous parlez que de mauvais? Lorsque ton raisonnement là serait normal, lorsque tu pouvais le mettre sur une chronologie, je Mais m'excuse beaucoup. quelle chronologie? Lorsque tu prends seulement 96%. Bon, lui, il part, c'est à 97, tu applaudis? Non, mais c'est pas possible. Les indicateurs de chômage en France et aux États-Unis, c'est tous les jours qu'on indique ça. Oui. Et le président de la République tombe à cause de ça. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire parce que votre gestion a été. Pas vous, hein, pas vous. Monsieur Matata et les autres ne peuvent pas le faire. Ils sont pas capables de le faire, il faut le dire. Faut pas réfléchir comme ça Oh ne là. prévoit. Écoute, lorsque les gens sont dans la rue, les chauffeurs ici sont dans la rue, et qu'ils ont des bus qu'ils peuvent conduire, ce n'est pas un emploi créé? C'est pas possible. Donc, je Toi, comprends. tu ne vois pas ça? Non, je vois pas comme ça. Je vois pas comme ça. Pas du tout. Tu vois ça comment? Voilà comment je vois. Lorsque, par exemple, j'ai suivi la semaine passée, le ministre des Transports, l'actuel ministre, il a dit 490 bus arrivent pour Transco. Mais c'est mal, monsieur Barnabé. Ce Un n'est pas une bonne chose. C'est cette instant. histoire qui va tuer ce pays. Un instant. Pourquoi on ne planifie pas? Vous avez combien d'habitants? C'est quoi le besoin en termes de transport? Comment vous évaluez ça? Vous ne pouvez pas aider là où vous n'avez pas fait la lecture. J'étais pas Monsieur à la cause Matata de est la. expert dans Non, ça. j'étais pas à Il la ne cause. fait aucune analyse, aucune étude, aucune C'est planification. peut-être Boum, toi. on vous amène 500 bus. Non, Et vous Bossembe, avez il mis ne faut quoi? pas parler comme un activiste. Oh là là. Un instant. Quand Roubaix a fait l'intérim en transport, Voilà, vous êtes encore quelqu'un de il avait mauvais. promis combien de bus? Il avait dit que 2000 bus vont arriver. Sur base de quoi? Mais c'est ça la Non, planification. mais c'est pas ça. Voilà, monsieur Barnabé. L'actuel Ce n'est pas ministre ça la achète 4. planification. Ça, c'est une projection et pas la planification. La planification, ça veut dire Congobeuse a 15 agents. L'argent de Congobeuse est à autant. Nous essayons de voir maintenant. On planifie. On se dit, voici le besoin et d'abouer. Voici le moyen de trouver un amour et cause à la boue. Voici le mécanisme et cause à la boue. C'est ce qu'on appelle une planification. Non. La planification n'est pas un souhait. Non. Je suis là, je dis, bon, frère, il a mis 20 bus. 20 bus sur base de Ça, quoi? c'est l'organisation. Oh là là. Je te donne un exemple pour ceux qui sont des Congobaises par rapport à la planification. Je peux t'aider. Accepte quand même. Toi, tu es aujourd'hui, maintenant, là, Congobais dans ses formats. Tu veux migrer vers la TNT. Tu comprends? Et tu estimes que quand je serai à la TNT, j'aurai autant de départements, santé, logistique, transport, finance. Donc, je quitte de 15 engins à 55 engins. C'est ça la planification pour aller vers la Mais je dis TNT. la même chose, Mais je te dis, lorsque on eux, dit la même chose. le ministre est là, il dit que nous devons acheter 2000 bus. Et que l'actuel ministre des Transports dit que je viens d'acheter 490. Il va engager qui pour conduire les 490? Ce n'est pas une déduction, ce n'est pas une création d'emploi, Mais ça. ce n'est pas basé sur une planification. Voilà pourquoi ça échoue toujours. Vous avez des bons projets, puis ça échoue parce Tu que n'as ça ne pas repose sur rien. C'est comme une femme cette qui veut comparer. conclusion-là. C'est comme votre femme à la maison. Non, Elle cette. a mis 5 bicolos, il y a foufou. Mais elle dit nombre à Banabazate. Non, Il tu. faut savoir d'abord le nombre d'enfants que vous avez. Bossembe, Oh là là. il faut faire attention. À ton niveau, tu ne peux pas présenter les choses de cette Non, c'est par manière-là. contre vous qui défendez l'indéfendable, je ne comprends pas. Lorsque toi, tu dis que ce n'est pas planifié, tu n'es pas au ministère des Transports. Oh, mais la planification, elle est rendue publique, papa. La planification est rendue publique aux États-Unis, en France, aux États-Unis, Et partout lorsque. à travers le monde. Lorsque vous allez sur Et le lorsque. site de l'entreprise, d'un ministère, vous tapez, vous savez les projections. On peut voir que Bazala qui n'a besoin à bouer, Bazala n'a besoin à bouer, Bazala n'a besoin à bouer. Mais Est-ce que Matata peut nous quand dire. je te donne ces références-là, rendues publiques, pourquoi tu les rejettes? Non, vous ne. Quand je te dis par exemple que non,
le ministre AI des Transports projetait, planifiait d'acheter 2000 bus. L'actuel vient d'acheter 490, tu rejettes. Non, mais ça, je ne rejette pas. Je vous dis que c'est basé sur faux. Combien de population, combien y en a au Congo? On est à combien à Kinshasa? C'est quoi la population mobile? Elle est à combien? Nous sommes 15 millions. On n'est pas 15. Voilà le problème. On n'est pas 15 millions parce que c'est assis sur aucun élément scientifique. Monsieur Mais on Bambé, est combien alors? quand même. On est combien? Nous sommes des morts civiles. On est combien? Nous sommes en situation de mort civile. Non, mais ça c'est la situation. Les morts civils, elles sont combien? Les morts civils, ça veut dire tout le monde là. On n'est pas répertorié sur une base de données. On ne peut pas les compter. Non. On peut faire des Vous ne le faites projections. pas. On peut faire des projections. Lorsque toi tu dis mort, Monsieur Barnabé. Quand tu parles de mort, oui. est-ce que tu sais qu'on peut compter les morts? Oui, bien sûr. Alors. Mais pourquoi Mais on donne les pas une chiffres. base de données? Mais donne les chiffres. Mais parce qu'on est dans une situation où on n'a pas les données. Moi, j'ai lu. Accepte qu'on n'a pas étudié. Non, un instant. Est-ce que la population Moi. de Ngaba a le même besoin de transport que celle de Bandalungwa? Peu importe. Mais ce n'est pas possible. Vous dites Moi, j'ai lu le rapport de l'Institut des statistiques. Institut national des statistiques. Je l'ai lu. La projection de 15 millions, je l'ai lu à l'Institut national des statistiques. Toi, tu dis que ça n'existe pas. Donc, ce que toi, tu n'as pas vu, ça n'existe pas. Non, c'est que par contre, vous, vous imaginez, vous faites des rêves. J'ai dit vous que j'ai lu. Vous voulez faire de ça des réalités. Vous vous êtes trompé parce que l'Institut des National statistiques... National 2019, 2018-2019, je l'ai lu. Connaissez-vous le rapport de cet institut? Je vous cite un professeur, le professeur Agbada, qui peint le tableau de la société nationale, de l'Institut national des statistiques en tant qu'une société moribonde. C'est en train de mourir. L'institut n'est pas équipé, M. Barnabé. Nous pensons que le Congo de demain, on va le faire avec des gens comme vous. Mais Moi, si vous avez la légèreté dans la manière de penser pays, alors c'est compliqué. non. Ne pensez pas que le pays, c'est un groupe de gens où vous venez vous donner tout de suite, c'est bon. 400 bus, c'est sur base de quoi? 2000 bus, sur base de quoi? Vous devez partir sur des analyses. Est-ce que je vous ai posé une question, vous n'êtes pas en mesure de me répondre. Quoi? La population de Tchangou a le même besoin de transport que la population de Lukunga. Alors, comment vous allez répondre à une question lorsque vous n'avez pas la mesure de tout le monde? Non, un instant. Acceptons quand même qu'on est en Non, train de il faire faut des pas toujours réfléchir dans le sens des déductions. L'induction existe aussi comme raisonnement. Et si on plaçait les 490 bus à Tchang, est-ce que c'est mal? Parce que toi, tu crois qu'il faut toujours prendre dans la déduction. C'est la mathématique. Non. Ce sera la mathématique, Non. monsieur Barnabé. Il faut calculer. On est Ici, en plein 21e je siècle. te dis que On calcule. je ne suis pas ministre. D'abord, pour ce qui est même de Boukangolan, je te parlais des 10 structures. Avec les experts qui ont jeté l'œil sur ça, tu considères ça comme de la foutaise? Non, pas de la foutaise, mais c'est mal préparé, c'est mal présenté. À mon avis, c'est une fuite en avant. Pourquoi vous disculpez, monsieur, vite, monsieur Matata Mponyo? Je Pourquoi ne vous le disculpe disculpez? pas. Je ne le disculpe pas. Alors, Je t'ai dit que, parce que toi, tu considères que, en demandant l'IGF, il se cache. Je t'ai dit, voilà, et ils sont 10. De Pinia jusqu'à la présence de la République, des structures de l'État. J'entends de voir Bukangalonzo finir comme 100 jours. Je crains. Non, mais 100 jours est récupéré par Ilunga Ilunkamba. 100 jours est en train d'être récupéré. Je crains que ça Je finisse t'ai dit comme que 100 jours. Ilunga Ilunkamba est en train de récupérer 100 jours. Parce qu'il continue à financer doublement ce qui était fait. Tu sais au moins que 100 jours, c'est un chèque de 400 millions. Oui. Mais aujourd'hui, il continue à superviser les travaux. Donc, c'est au moins deux fois. Au moins, Ilunga, on peut le reconnaître pour ça. Comment ça va? Pour terminer ce débat, parce qu'on dit qu'on a fini nos minutes, quelle a été la responsabilité de Matata Mponyo dans l'échec de Bukangalonzo? Je crois que sa responsabilité, c'est d'avoir décentralisé. S'il pouvait avoir le courage de piloter seul ce projet, je crois qu'on n'arriverait pas à ce qu'on soit. Le fait de décentraliser, de pouvoir remettre ça à plusieurs échelons, c'est une erreur. D'accord. Connaissez-vous un seul grand fermier congolais qui a été intéressé dans cette affaire de Bukangalonzo? En termes de ferme, dans l'aile de ferme. Je n'ai pas les documents qui attestent ça. Je sais que Obasanjo fournit la viande au Nigeria. La famille Kenyatta fournit les œufs. Ça ne peut pas empêcher à d'autres hommes politiques au Congo d'être aussi intéressés. Connaissez-vous un agriculteur congolais ou un groupe d'agriculteurs qui a eu le marché d'Abukangalonzo pour bétail, je sais pas moi, élevage et tout. Un groupe d'agriculteurs qui Non, a je fait crois ça. que Boukangal n'était pas encore arrivé au niveau de bétail. Ok. C'était que phase de démarrage. Très bien. Mais en termes d'agriculture, connaissez-vous des Congolais qui Ce ont n'était été... qu'à la phase de démarrage. Mais quand on a dans cette phase de démarrage, on a quand même Produit les maïs. produit
Phase expérimentale Phase de test de expérimentale, on peut son. le faire avec d'autres personnes, mais quand il faut, quand ça sera la phase vraiment proprement dite, on va appeler le Congolais. Ouais, probablement, je ne sais pas. Mais il y a quand même trois entreprises. Mais est-ce que vous savez que l'argent a été jeté dedans et que ces gens-là... 150 millions, au contraire de ce que les gens disent de 250 millions. Moi, j'ai lu un document qui parle de Moi, 150 j'ai millions. lu un document de 250 millions de dollars. Ouais, c'est possible. Mais moi, les documents que j'ai lus, c'est 150 millions. Ces documents parlent de 250 millions. C'est investment opportunity. Vous voulez savoir? On parle de ici déjà. Pour seulement Bukangalonzo. Seulement le programme de Bukangalonzo nous a pris. Je vais me retrouver. Oui. Je me retrouve. 92 millions de dollars de fonds publics. 92 millions de dollars de fonds publics. On peut te prendre au sérieux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais tu venais de parler de 150, non? Non, 250. Ça, c'est Bukangalonzo seulement. C'est seulement Bukangalonzo. Nous parlons On ne parle pas, Bukangalonzo. non, on ne parle pas de tous les projets des 22 de 22 parcs. Non, Non. 22, non, 22 parcs, c'est 2 milliards. Moi, je Ça, te je suis en parle, train de vous expliquer. je t'ai dit uniquement Bukangalonzo, c'est 150. Toi, tu as dit 250. Oui. Tu lis 90. Mais parce qu'il y a beaucoup de rapports, monsieur Barnabé. De quoi on parle à la fin? Est-ce qu'on peut revenir à ce que toi-même tu as dit? Oh là là. Je t'ai dit Bukangalonzo. Moi, j'ai dit, j'ai lu un rapport de 150. Oui. Toi, tu m'as dit Je répète. 250. Je répète. Non, et puis tu m'as dit Je 250. répète. Et puis tu prends un rapport, tu lis 90. Oui, je répète. Le rapport de Bukangalonzo, moi j'en ai comme ça quatre. Dans ces quatre rapports, Le le meilleur frais. pour vous, c'est celui-là. Non, pas le meilleur, c'est celui qu'on sort seulement ici, qui vous met mal à l'aise. Non, Parce c'est que 90. je n'ai pas encore sorti celui-ci. C'est 90. Ici, c'est le nom de Mio. Je voulais que je lise pour comprendre. 90. Ok, je lis pour vous. Hein. Bon. Ça va vous aider à comprendre. Je vous dis 90. Non. Bon Sembe. Oui, là on dit. Voilà. Une société sud-africaine, le parc occupe 80 000 hectares de terres Cherche destinées là ou pas de à la finances. production de maïs et autres produits agricoles. Le gouvernement a alloué 92 millions de dollars de fonds publics au parc, ressources devant être gérées par Africom. Voilà, je pense que c'est ça le global, la globalité de l'argent. J'ai cherché, je pensais que tu allais lire 250. Oh là là, monsieur Marabé, vous faites exprès, je comprends. Non. On dit qu'on a décaissé d'abord 92 millions Je de te dollars. parle de 150, Moi, je te parle moi. de 250 millions. Si Mais tu veux. montre, et puis toi, tu prends les rapports. Oh, mais... Mais tu lis 90, Bossembe, 92 d'ailleurs. Oh là là, oh là. D'abord, tu lis 90 et puis tu lis 92. On fait exprès. On fait exprès, alors. Vous faites exprès. Mais malheureusement, ça revient au même. Non, je crois qu'en Ici, conclusion, il s'agit. qu'à cela ne tienne, moi, je considère que ma recommandation pour terminer l'émission. Ah, vous voulez la terminer si rapidement? D'accord, allez-y. Non, 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 On va non, je ne sais terminer, il n'y a pas de pas. problème. Allez-y, on va Je terminer. peux, parce que je vois que tu m'as dit que Oui, on a notre fini. ministère était de terminer. Oui. Que la justice fasse son travail, sans complaisance. Oui. L'IGF fasse son travail et qu'on a besoin d'un procès public. Si on peut arriver à un procès public à cette question, ça peut m'aider. Mais je demande au Ceux président. qui ont demandé, ceux qui ont demandé comme vous, hein, un oeil pour eux. Ouais, peu Hein. importe. Mais que le président n'abandonne pas le projet de parc agro-industriel. Je recommande au président, monsieur le président, s'il te plaît, je crois que dans 10 ans, à la fin de votre mandat, ça peut nous aider à asseoir la sécurité alimentaire. Si vous pouvez arriver à placer 22 parcs agro-industriels en République démocratique du Congo, on serait quand même épargné de cette dictature des mines et ça serait un bon paradigme que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai lu par contre le projet du président de la République sur l'agriculture. Je trouve qu'il est beaucoup plus ambitieux que cette histoire, cette farce de Bukangalonzo. Et que je Farce de suppose. Bukangalonzo ou de parc agro-industriel. Tous les deux. Ça revient tout de même à mon avis. Ok. J'estime simplement que toutes les provinces peuvent s'auto-gérer, comme ce fut le cas avec l'idée de Mobutu. Et que chaque province peut à elle seule identifier les besoins, ses capacités. Et trouver des moyens conséquents pour faire le parc, si vous voulez, ou tout ce que vous voulez là-bas. Mais ça peut être possible. C'est possible Oui. si on ne respecte pas l'article 170 et 175 de la Constitution? Qui dit l'article? Qui dit cet article? L'article 171 dit qu'il faut séparer la caisse nationale et la caisse de la province. Oui, mais Article on 175, peut respecter ça. il faut restituer, rétrocéder 40%. Oui, il faut. On peut le faire. D'abord, pour arriver à votre conclusion, il faut Oui. commencer par ça. Oui. Or, le temps passe, le temps ne s'arrête pas. Dans les 10 ans, qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Non, pas dans les 10 ans. Cette histoire, si on le réfléchit bien, on peut le faire dans moins d'un an. Moi, j'ai rencontré des scientifiques congolais qui sont très forts dans cette histoire. J'ai rencontré des Avec professeurs quel d'agriculture. résultat? Non, mais les résultats, tout dépend du contexte dans lequel vous le mettez. Lorsque les professeurs s'achètent des universités, se construisent des universités au détriment de l'université nationale, bon, c'est tout à fait normal. Tout est question de contexte. Moi,
Moi, je pense qu'on peut mettre en contribution. Vous êtes de l'Est de la République. Moi, je suis né là-bas aussi. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un monsieur, je ne sais pas s'il est décédé ou il est toujours en vie. Il s'appelait Ngezao, je ne sais pas. Il s'appelait Ngezao et un autre s'appelait Kasuku. Je ne sais pas vraiment Le comment. Kasuku existe, Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils Ngezaï sont ou devenus, en tout Prigogine est cas. mort, mais Oui. l'autre Ngezaï est là. Oui, mais Ça quand on fait. était tout petit, on savait que ces gens avaient des fermes, mais terribles. Ils avaient des têtes des vaches. L'État peut reprendre la même structure avec ces mêmes personnes pour en faire beaucoup de choses. Je pense, tout simplement comme Là, ça. c'est le raisonnement à quel niveau? Au ministère de l'Agriculture, élevage ou primature ou à la présidence? Vision de la présidence. Ah, très Ça doit bien. d'abord commencer par la vision. Ouais. L'impulsion d'abord là-bas, et puis on choisit les bonnes personnes pour le mettre là. Mais Moi, j'ai lu le 22 quand on Paul. prend l'entangente Le politique, c'est là 22. qu'on tombe dans ça. J'ai fait d'ailleurs des émissions pour sensibiliser les Congolais sur le 22, perspective du chef de l'État. Je crois que c'est encourageant, mais on ne peut pas exclure ça aussi. Ça reste toujours une possibilité lorsqu'on remettra les moyens entre les mains de la province. Parce qu'on ne peut pas avoir 8 mois de députés provinciaux non payés et croire qu'on peut faire des Mais il y projets a aussi beaucoup ambitieux. de choses tellement qu'il faut revoir, c'est la paye des enseignants, la bancarisation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'UGF devrait finalement Non, moi j'ai s'intéresser. béni, j'ai pris beaucoup pour l'inspecteur des IGF. Parce que quand même, arriver à démanteler 1300 exonérations, mauvaises exonérations, parce que les gens aussi croient que Toutes toutes les sont exonérations, mauvaises, non, il y non, a de bonnes et des exonérations et mauvaises. des Mais mauvaises, ouais. si en peu de temps, il a décelé 1300 C'est une exonérations, très bonne chose. j'ai pris beaucoup pour lui. Et je crois qu'il ne doit pas reculer. Il y a aussi les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs du parquet. J'attends aussi les cours Ouais. de Ils sont très compte. forts parce qu'ils ont fui. Ils viennent de saisir 52 sous-comptes au niveau de la Banque centrale et ils ont rapatrié à l'État congolais 1 milliard de francs 800 000, ça congolais. je C'est extrêmement félicite. bien. Mais Je je crois crois quoi? qu'à la Banque centrale, il faut quand même que les gens fassent la prison Oh, aussi. je crois aussi. Je crois. Moi, Je je crois soutiens aussi. que ça doit aller jusqu'à un procès Bah, je crois aussi. et que les cours de compte aussi entrent en danse Je quand crois même. Je aussi. crois que ça traîne un peu. On a besoin quand même qu'on puisse Je nettoyer pour que crois les aussi. militaires, les policiers, les Oui. magistrats, l'enseignant, Et moi, je prie encore, les peut-être, médecins pour qu'ils se on retrouvent va comme avant. terminer par là, je prie que l'on revienne à partir de 2010, pourquoi 2010? 2006, sur la gestion de la dette intérieure. Je crois qu'il faut revenir sur la question de la dette intérieure pour inspecter, pour voir comment cela a été fait. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu beaucoup de rétrocessions, beaucoup de rétrocommissions aussi dans cette affaire, que beaucoup des premiers ministres se sont enrichis illégalement sur la question, je Non, crois. moi je crois qu'il faut revenir en 2001. Parce que 2006, vous allez exempter le gonflement des factures des belligérants. Lorsque le mouvement rebelle, enfin les rebelles, les belligérants sont venus dans les 1 plus 4, il y a ceux qui ont amené des factures gonflées. Je crois que ce n'est pas interdit que la justice puisse y jeter un Très coup de bien. regard. C'est limité en 2006, ce serait épargner les autres et chercher la tête des faibles. Non, il faut revenir en 2001. Où la démocratie a réellement commencé dans ces pays. Mesdames et messieurs, j'ai utilisé aujourd'hui ce rapport. Non, je ne connais pas les auteurs de toutes les façons, hein, parce que le plus important, c'est le contenu. Parc agro-industriel en RDC, tirer les leçons de la débâcle de Bukangalonzo. Unique Bon, investment opportunity. non, tu peux pas dire ça. Comment ça? Comment tu peux utiliser un rapport si tu ne connais pas les Oh non, auteurs? parce que je n'ai pas envie de connaître les auteurs. Ah, ok. Je n'ai pas Tu n'as envie. pas envie? Non, non, pas du tout. Je me limite au contenu, ce qui est très intéressant. Le contenu. Un Parce que bon livre, généralement, on connaît l'auteur. non, non, si je connaissais les auteurs, on allait dire non, mais il est en contact avec eux. Pas du tout. On Non, tu es un parle scientifique, c'est un rapport normal. de ce qui a été fait pour qu'on tire des leçons afin qu'on ne tombe pas. Je prie pour que je reçoive M. Matata Mponyo sur ce plateau. Et puis je recevrai les autres ministres aussi, si possible, pour essayer d'éclairer Vous êtes quand la matière. même une organisation qui a une bonne réputation. Il suffit peut-être de les saisir par écrit ou Je le saisir ferai. leurs attachés de presse. On a envoyé la lettre déjà. Je crois qu'on a envoyé une Je correspondance. connais ta méthodologie. Oui. Je crois qu'en nous suivant ici, le Oui. débat est créé aussi. Et que les autres, les experts du ministère de l'Agriculture, nous avons seulement. Nous sommes intervenus comme analystes. Oui. Citoyens qui a vu ça à la télé Nous et allons aider. ailleurs. Moi, je vais aider Il faut l'IGF. appeler les gens. Ou même effectuer une descente. Oui, Si on tu va le peux faire. m'aller à Bukangalos Oui, aussi. on va le faire. Et comme tu as vu le bateau en Bandaka qui utilise déjà les moteurs, il faut Oui. aussi faire un bon Qui est utilisé reportage. depuis longtemps, d'ailleurs. Ouais, il faut C'est aller. depuis Ça fait longtemps. 5 ans, oui. Oui, ça fait depuis longtemps qu'ils Si tu peux utilisent. prendre déjà un reportage et traduire en justice, ça peut faire une bonne chose. On va le faire. Faire une bonne critique info. Oui, on va le faire. Ça n'est fini, messieurs et dames. Merci. Vous avez peut-être cru que c'était très contre, ce contre M. Non. Barnabé. C'était des échanges Non. libres. Hein. On en a envie, on en a besoin. La chaise, elle est libre. Oui. On en a besoin. On se retrouve très prochainement. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungou. I do work for Unisho by AFH under Cedric aussi. Tout ça qu'on fait appel na Bino, nous sommes tous les gens qui sont en UK, il y a Royaume-Uni seulement.
que tu as payé ça, bah, service, protection et assurance. Tu as payé ça, assurance vie, life insurance. Et ça, que ce qui nous a dit, c'est que mbongo bako futa yo, et ça pour couvrir l'enterrement, puis dans ce côté, héritage na bana yo, et en même temps, ce qui est dans le cas, c'est crédit, et que tu peux futa dans le cas. Tout ça, c'est ce qui est living cost. Living cost est le produit oyo, ce qui est abeli à Zanandaku, au salaire plus de 20 heures. Yaka, ce qui est l'assurance ko futa yo mbongo pendant que Zanandaku est au salaire. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez yo bien au foot, vous avez protégé yo toko futa yo. Vous avez un autre critical illness, assurance maladie. Tant que vous avez un problème de santé, vous avez sérieusement, l'assurance te paye. Vous avez un témoignage de Béli, vous avez un ami parce que Béli m'a dit critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, où nous avons Achille Azako Sala. Tant que les cas mesurés et que maman santé dérangée, maman bazan a droit à foutre autant. La réalité est que on aura parole na bango, pe ba pesa misolo et singela qui par rapport na oyo biso tozwa. Les aventures te, les a vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza apo na kuede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni.